La protection des mangroves au centre de la réunion des ministres africains de l'environnement à Abidjan en Côte d'Ivoire. La mise en place d'un cadre juridique contraignant est le résultat attendu à la fin de cette réunion ministérielle. En effet, les mangroves sont des écosystèmes naturels aujourd'hui menacés par l'activité de l'homme. Ces espaces naturels servent de lieu de reproduction des poissons et des crustacés. Ils protègent les pays côtiers contre les transgressions des océans et les vents violents. En République du Congo, ces écosystèmes naturels sont observés le long du littoral côtier, notamment à Bakwilou, Konkwati, Fouta, Tchambanzassi et Ndjeno. Cependant, Pointe-Noire a perdu la quasi-totalité de sa superficie de mangroves. 519 hectares de mangroves étaient observés en 2000, des superficies qui ont régressé à 449 hectares selon les études cartographiques menées par le Centre national des inventaires d'aménagement des forêts, CENIAF en sigle.